sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, rejoignez-nous. Le look parfait de Kiara. Salut tonton! Encore une fois, les tuyaux se sont cassés! Oh non, pas encore! En plus, j'ai amené Kiara pour qu'on lui fasse un nouveau look. Elle a été rappelée pour son casting. Kiara! Eh bien, je suis vraiment désolée, mais elle va devoir attendre, parce qu'avec les tuyaux cassés, le salon de coiffure ne peut pas ouvrir. Fermé, capoute. Attends, je vais voir si je peux t'aider. Peut-être que je peux trouver quelque chose qui va... Ça m'étonnerait que tu trouves quelque chose qui fonctionne. J'ai tout essayé. Regarde, le voilà, le nettoyant ultime pour tuyaux. Essayons-le, on ne sait jamais. Allez, tonton, ne te décourage pas. Eh bien, essayons. Et maintenant, on ajoute un peu de jus de citron. Et voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'à le tester! Que d'émotion! Alors, allons-y! Et après? C'est tout! Il ne nous reste plus qu'à attendre que ça fasse effet! Eh bien, on pourrait commencer à coiffer Kiara! Ok! On pourrait peut-être utiliser le mini salon de coiffure de Fabio et Fabia! Qu'en dis-tu? Je trouve que c'est une idée géniale! C'est parti! Kiara veut qu'on lui fasse le même look qu'on lui a fait dans l'épisode, le look Fashion Cat Style. Ce look lui a tellement porté chance. C'est un bon plan. Un instant, de quoi avons-nous besoin pour ce look? Pour ce look, il va nous falloir le peigne de Kiara, deux élastiques, son accessoire pour faire des reflets, le tube de gel à paillettes, son serre-tête et son collier. Et c'est parti! Eh bien, avec tout ça, on peut commencer la coiffure. Comme vous le savez, la première chose à faire est de bien la peigner. Maintenant, on prend tous les cheveux et on fait une queue de cheval bien haute. Ensuite, on sépare une mèche de la queue de cheval et on l'enroule autour des deux élastiques comme ceci pour les cacher. Tellement bien, tonton! Merci, ma chère nièce! Tenez-vous prêt, la prochaine étape est vraiment passionnante. On prend la cire colorée et on la met dans cet accessoire en forme de cœur. Une fois qu'on a fait ça, on humidifie la queue de cheval avec un peu d'eau et on glisse l'accessoire sur les cheveux pour obtenir de magnifiques mèches avec des reflets. Et les paillettes, c'est pour quand? Minute, papillon, un peu de patience. Maintenant, on prend le petit tube de gel et on en met un peu sur les mèches avec les reflets, la frange et la queue de cheval. Maintenant, le moment est venu d'utiliser notre super paillettisateur. Tu veux bien m'aider, Fabia? Mais bien sûr! On ouvre la partie au sommet du paillettisateur pour y ajouter les paillettes qu'on veut utiliser. Et pour finir, on fait tourner la partie haute du paillettisateur pour répandre toutes les paillettes comme ceci. Regardez. Oh mon Dieu, elle est magnifique! Mais il lui manque encore quelques détails super importants. Son serre-tête... Et son collier! Maintenant, elle est prête! Je te promets qu'elle va faire des ravages. Elle est vraiment superbe. C'est clair. Mais d'abord, prenons une photo pour les réseaux. Va pour les réseaux. À la prochaine, les amis VIP Pets. On se revoit très vite. Eh bien, j'emmène Kiara à son casting. Ok, bonne chance. Oh, les tuyaux. Allons voir s'ils fonctionnent. Oui, voyons voir. Oui. C'est quoi ce bruit? Je crois qu'il fonctionne là!